Les amis, la course au développement est en train de changer le visage de la saison 2023. Silverstone a été le révélateur pour beaucoup d'équipes. Certaines en ressortent en étant gagnantes, d'autres avec de sacrés maux de tête. On va voir tout ça dans le 10e débrief de l'année. Une nouvelle fois cette saison, nous avons eu droit à un week-end de plein et à une course franchement intéressante, même si elle ne restera pas dans les annales. Et c'est un petit peu le paradoxe de cette saison. On a de la bagarre, on a des stratégies, une course où pendant une heure et demie, on est vraiment accroché. En plus, c'est serré comme ça ne l'a probablement jamais été autant. Mais ça manque sûrement d'un ou deux éléments forts et le suspense pour la victoire, il est déjà mort. Donc voilà, on ne s'en souviendra pas dans 5 ou 10 ans, mais sur l'instant, franchement, c'est cool. On a des grands prix qui sont tous à 3,5 étoiles sur 5. C'est donc jamais 4 ou 5 des bangers, mais c'est jamais mauvais non plus. Voilà, on est un petit peu coincé là-dedans en ce moment, et si quelques détails changent, ça pourrait être vraiment grandiose. Mais franchement, entre la superbe qualif et les performances des uns et des autres qui bougent avec des surprises, et surtout, je le dis, une énorme bataille quand même dans ce top 10, si on exclut la P1, franchement, c'est très cool. La P1, justement, parlons-en quand même. 8e victoire de la saison pour Verstappen en 10 courses, la 6e consécutive, on atteint des sphères de plus en plus. Il a eu un petit peu plus chaud que d'habitude avec une qualif où il a dû se battre, mais il a très largement assuré, et un départ où il a perdu la tête, mais il l'a reprise au 5e tour, et ensuite il a foncé vers son bien qui lui revient chaque dimanche. Il a parfaitement usé de son inatteignable machine, 11e victoire d'affilée pour Red Bull. Personne n'a jamais fait mieux dans l'histoire. Voilà, c'est juste énorme, bravo. Et je trouve que c'est d'autant plus valorisable que c'est fait à une ère où il y a un budget capé, où on ne peut pas vraiment écraser les autres à ce niveau-là, où c'est très 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 serré derrière, et où en plus ils ont le moins de temps de soufflerie de toute la grille. Bravo, et je trouve aussi que ça met de la lumière sur le talent de Max Verstappen, car cette victoire, elle n'est pas acquise chaque week-end quand on voit ce que fait la deuxième voiture. Ce week-end, ils avaient tout de même moins de marge que la semaine passée, où ils avaient carrément un arrêt d'avance sur la deuxième place. Certes, il y a eu la safety car, mais ça n'est pas que ça, ils avaient moins de marge autour. Est-ce que c'est le signe d'un rapprochement? Est-ce que c'est ponctuel? Ou est-ce qu'ils ont un peu levé le pied pour éviter d'écraser, d'assommer la concurrence et la Formule 1? L'avenir nous le dira. Quant à Perez, eh bien, il a raté la Q3 pour la 5e fois consécutive. Voilà, c'est clairement interdit avec cette machine, c'est presque même fou. Ça s'explique par des pneus qui étaient froids puisqu'il a longuement attendu à la fin de la pit lane et il était le premier en piste au moment où ça améliorait énormément, donc forcément, il se fait un petit peu avoir. Mais quand même, Alexander Albon qui passe juste derrière lui, 2 secondes derrière lui, il lui colle une demi-seconde et il va aisément en Q3. Donc il y a quand même un souci avec lui et la voiture. Peut-être que voilà, comme elle n'est pas faite pour lui, petit à petit elle lui échappe de plus en plus, il y est de moins en moins à l'aise. Ouais, c'est un petit peu la théorie qui prend le dessus. En plus, contrairement à l'Autriche, son Grand Prix n'a pas été génial puisqu'il est péniblement remonté, et ce malgré une safety car pour l'aider. Ça prouve aussi que la Red Bull avait moins d'aisance sur les autres comparativement à la semaine dernière. Ouais, donc Checo vit vraiment une mauvaise passe et je trouve qu'il le fait ressortir en étant un petit peu trop salé, notamment devant les médias. Il a tendance un petit peu à se défausser de certaines responsabilités, à être un peu de mauvaise foi, mauvais joueur, mais on sait qu'il a toujours eu un gros caractère. En tout cas, personnellement, je ne change pas un mot de ce que j'ai dit dans la vidéo de mercredi à son sujet, à savoir que je ne le pense pas en danger pour tout un tas de raisons. Ce qui était justement en grand danger en début de saison, eh bien, c'est McLaren. Rappelez-vous, aucun point sur les deux premières courses. On les avait vus se battre avec Sargeant à Jeddah pour la 15e ou 14e place. Ils étaient vraiment à la rue dans des grands prix comme Miami. Ils ont mis du temps à péniblement remonter à la 7e puis à la 6e place du constructeur. Ouais, ils reviennent de très loin. Et là, ce week-end, ils étaient la deuxième force du plateau dans la lignée de l'Autriche. Vous avez déjà été exceptionnel. Franchement, perf resplendissante, renversante, splendide. Ils ont retourné un petit peu le paddock ce week-end. Et voilà, quand on voit par exemple ce qu'ils ont été capables de faire, résister en hard à des Mercedes en soft, ça c'est énorme. On avait entrevu leur renouveau à Barcelone où, rappelez-vous, Lando s'était qualifié 3e mais avait cassé son aileron sur Hamilton au départ. Et puis on l'a dit, les upgrades apportés en Autriche avaient directement fonctionné. Double qualif dans le top 3, un Lando Norris qui va chercher la 4e place en se battant avec Sainz et en étant meilleur que les Mercedes. Ouais, ça franchement, ça marche très bien.
Ils ont passé un cap et ils pensent que les conditions et les caractéristiques du circuit ont certes embelli la performance, mais ils sont conscients chez McLaren que les améliorations fonctionnent très bien. La voiture produit plus d'appui et est devenue très compétitive dans la plupart des types de virages. Incroyable travail donc en un temps réduit en plus, et ce n'est donc clairement pas le coup d'une fois, c'est leur vraie perf. On verra comment le curseur bouge selon le circuit, mais c'est très très fort, et apparemment ils n'auraient pas encore pas réglé tous leurs soucis, donc il y a encore de la marge. Tout bouge vraiment très vite cette saison derrière Red Bull, et on sait que selon les circuits, certaines équipes sont plus ou moins bien, mais voilà, ils sont là, ils peuvent jouer les podiums maintenant plus ou moins régulières chaque week-end, et c'est mieux que certaines autres équipes dont on parlera, qui elles sont dans une spirale plutôt négative. Ça bouge, et après 10 courses, c'est McLaren qui a le vent en poupe. Comme en Autriche, Lando Norris a été absolument génial et parfait, le deuxième homme derrière l'intouchable Max, et je suis heureux de le voir récolter enfin ce qu'il mérite. Je maintiens que c'est un des tout meilleurs de ce plateau et qu'il est capable, à la manière de Leclerc ou de Russell, de compter très fortement dans le futur. Ça fait désormais 4 ans qu'en fin de saison, il termine dans le top 5 d'hommes et pilotes les mieux notés, et c'est certainement pas le fruit du hasard, je le trouve vraiment excellent. On notera au passage que c'est marrant, on parlait, moi le premier, du fait que son avenir était un petit peu sombre chez McLaren, que s'il voulait tenter de gagner, il fallait qu'il pense à s'en aller prochainement. Bon, au final, avec toute cette course au développement, on est en train de se dire que finalement c'est peut-être lui qui est le mieux placé. C'est la folie. Vraiment, cette F1-là, c'est la folie. Il manque juste qu'on aille nous chercher les mecs de devant et que tous ces mecs-là se battent pour la P1 plutôt que la P2. Et franchement, c'est exceptionnel. Et puis, que dire de son coéquipier Oscar Piastri, 22 ans, 10e Grand Prix de Formule 1, première fois qu'on lui met les upgrades sur la voiture, et boum, il est là, il est juste derrière Lando Norris, 3e le samedi, 4e le dimanche, performance marquante. La première fois de sa carrière qu'il aura fait un truc vraiment très fort, c'est ce week-end, on s'en souviendra. En plus, bah, il se fait totalement voler le podium par la safety car, on est bien d'accord. Sans ça, il aurait connu sa première boîte, donc petit pincement au cœur, car tout le reste était vraiment fantastique. Son rythme suivait de près Lando, son départ a été le meilleur de tous. Il aurait pu se retrouver en tête au premier virage. Aucun doute, il est bien le talent qu'on espérait, le talent qu'on nous promettait, et il est déjà super fort. Ce que j'ai aussi particulièrement apprécié, c'est son attitude, ses réactions vis-à-vis de ses excellents résultats. Aucune effusion de joie, beaucoup, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, presque un petit peu même de la déception de ne pas avoir fait mieux, samedi comme dimanche. Donc ça, franchement, je trouve que c'est une attitude de grand. On voit qu'il est programmé pour jouer tout en haut. On continue en évoquant Ferrari qui franchement n'était pas si mal que ça. Alors c'est pas encore sensationnel, ils sont pas encore là où ils voudraient être, et forcément la perf de McLaren, bah, ça leur met un petit coup sur le casque, mais on sent qu'ils ont repris la bonne dynamique, la bonne compréhension de leur voiture, et que niveau développement ils ont mis le doigt sur quelque chose, ça va mieux quand même qu'il y a quelques semaines. Ils ont confirmé après l'Autriche, la preuve, ils ont une nouvelle fois largement dominé Aston Martin et ils étaient devant Mercedes. Russell en soft n'arrivait pas à les passer, il a fini par le faire. Mais voilà, ça jouait dans ces eaux-là et c'était plutôt pas trop mal, même si Leclerc aurait aimé un peu plus de rythme dans sa machine. Le vrai problème ce week-end pour Ferrari, c'est qu'ils ont mal lu la stratégie, pour le coup ils se sont plantés, ça dégradait vraiment très peu, donc on pouvait faire medium soft et eux ils ont fait medium hard. En plus, en arrêtant Leclerc, je trouve, beaucoup trop tôt, ils ont eu peur de l'undercut de Russell, bah finalement, ils avaient mal lu la stratégie. Donc ça, ça les a mis sur un mauvais pied, et les deux Mercedes les auraient sûrement passés. Et puis malheureusement, au-delà d'avoir une mauvaise lecture sur les pneus et d'être un petit peu trop conservateur, eh bien, ils ont manqué de chance avec le timing de la safety car. Du coup, bah, les pauvres Hamilton, Alonso, Albon et Perez leur sont passés devant, obligés de repasser au stand pour pas se faire avoir à la relance. Sainz a tenté le coup. Il avait plutôt raison, parce que dans tous les cas, il serait sorti 10e. Donc bon, autant tenter, ça n'a pas marché, évidemment. Donc voilà, malheureusement, Ferrari, en plus d'avoir une mauvaise stratégie, bah, ils n'ont pas eu la chance avec eux hier. Et à l'arrivée, il n'y a que 3 points dans la besace. C'est une grosse catastrophe quand il aurait dû en avoir 15 ou 20. Alors au passage, l'excuse qu'il n'avait pas de pneus soft neufs en stock ne fonctionne pas, puisque c'était aussi le cas pour Aston, Mercedes, Alpine et Williams, mais toutes ces équipes-là, elles ont mis des pneus soft rodés à leurs pilotes et ça a très bien fonctionné, donc dommage. Bref, encore beaucoup trop de points laissés sur le bord de la route, ils devraient quasiment avoir fait la jonction avec Aston et Mercedes au classement, on verra que ça n'est pas du tout le cas, et quand on voit le pauvre Leclerc qui a vraiment été très bon ce week-end, excellent en qualif, top rythme, bonne défense sur George Russell, bah au final il a que 2 points à l'arrivée, alors qu'encore une fois, il n'a rien fait de mal, c'est ouf.
Quant à Sainz, il a vraiment été proche de Leclerc, même s'il y avait une distance samedi et dimanche, il n'était pas la Ferrari la plus rapide, mais on sent qu'il a mis ses gros problèmes du début de saison derrière lui récemment. Maintenant, ça serait cool s'il arrêtait de tout nous politiser dès qu'il se passe le mini-truc. Il vient tenter de jouer son coup, d'être un requin, c'est un petit peu fatigant. Il se comporte un peu comme s'il avait un statut de champion du monde, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas forcément grave à la fin d'un week-end, mais c'est un petit peu lourd dans les différentes séances. Concernant ce groupe de top team, c'est un week-end qui aurait pu faire très mal à Mercedes vu comment ils étaient loin samedi. À l'image du coup de massue Aston Martin en début de saison, la perf de McLaren est un aveu de leur faiblesse. D'ailleurs, malgré les récents packages d'amélioration qui sont arrivés, on n'a pas senti un vrai changement de dynamique sur la voiture et au sein de l'écurie. Alors, ils tentent pas mal de choses depuis un an et demi, mais ils se butent toujours sur des obstacles. Ils n'ont pas encore la clé de la voiture. On est donc loin du renversement de situation qu'ils pouvaient espérer, mais ils ont très bien limité la casse dimanche. Déjà, ils avaient un meilleur rythme en course qu'en qualif, ça a aidé. Et puis, il y a eu cette safety car qui a permis à Lewis notamment de remonter de la 7e à la 3e position. Et donc, comptablement, ils font une superbe opération. Côté pilote, c'est George qui a un petit peu eu la main ce week-end. Il a vraiment été très bon, je trouve, et il aurait fini 4e sans la safety car. Il a aussi devancé Lewis en qualif, donc franchement, très très bon week-end de sa part vis-à-vis de son coéquipier notamment. Et puis pour compléter notre trio qui se bat pour la 3e marche du championnat constructeur, on a Aston Martin qui, on peut le dire, connaît un petit calage dans cette saison 2023, dans cette course au développement. Ils n'ont pas réussi à passer la vitesse supérieure, ils sont un petit peu fait doubler, et donc bah voilà, ils commencent un petit peu à reculer. Alonso multipliait les podiums en début de saison, ils étaient la 2e force derrière Red Bull. Là, ce week-end, ça se battait pour une P9. P9, c'est la place où Fernando était en qualif, et il était sur le reculoir dimanche, talonné par Gasly, doublé par Hamilton. Il se jouait des petits points, l'effet de course lui ont permis de remonter et de sauver une 7e place. Il a vraiment été irréprochable, mais Aston peut s'estimer heureuse de scorer autant, car la perf n'était pas là, et ça commence à presser un petit peu. Le deuxième étage de la fusée verte du projet Aston Martin doit pas tarder à se déployer, parce que les autres aussi sont très forts et ont de grandes ambitions. Comme quoi, tout bouge vraiment vite. On revient 5 grands prix en arrière, tout le monde voulait être dans l'Aston Martin, c'était l'endroit où être pour l'avenir, tout le monde avait de très bonnes prédictions pour eux. Là, maintenant, aujourd'hui, si on vous demande de signer dans une écurie, vous choisissez McLaren ou Aston? C'est chaud. Ah oui, et un petit mot sur Lance Stroll, qui a vraiment pas été top ce week-end. Il prend un peu plus d'une demi-seconde en qualif samedi. Sa course, elle est un petit peu compliquée, puisqu'il a dépassé Pierre Gasly hors des limites, et il a fini carrément par le mettre dehors, vraiment, puisqu'il l'a fait abandonner. Donc ouais, franchement, c'était pas un week-end génial de sa part. Il lui en a manqué niveau performance, et en plus, il a commis une petite série de bourdes sur la fin de course. Ceux qui, en revanche, n'ont pas commis de bourdes, c'est Williams. T'as vu ce rebond incroyable? Et oui, Williams qui a vraiment été très bon, qui a trouvé beaucoup de performances. Et au final, c'est fou de se dire qu'on est presque déçu pour eux à l'arrivée, alors qu'ils marquent 4 points et qu'ils terminent devant les deux Ferrari. Cette saison n'a aucun sens. Ils ont démarré vraiment très fort en impressionnant en séance d'essai, mais au moment où c'est devenu sérieux, ils étaient un petit peu moins beaux que prévu. Il en a manqué en qualif où ils n'ont pas pu jouer les 3 premières lignes, et puis au départ Alex a aussi perdu 2 places qu'il aurait pu conserver avec sa folle vitesse de pointe. Du coup, la track position était un petit peu moins bonne que prévu. Je pense qu'au mieux, ils auraient pu jouer la 7e place à la régulière, et là ils étaient plutôt 9-10, je me souviens plus. Finalement, avec la safety car, ça fait 8, donc ça va, on peut dire que le coup qu'ils avaient à jouer à Silverstone et réussi. On l'a dit, Williams, cette saison, ils vont avoir des coups à tenter, des coups à réussir. Silverstone, c'est coché. Je pense qu'ils seront aussi très forts à Spa ou à Monza. Du coup, emmené par un Alexander Albon qui a été excellent, voilà, je ne tarirai pas d'éloges sur lui non plus dans la lignée de sa saison dernière et dans la lignée aussi d'un très bon début de saison, même s'il avait manqué quelques occasions jusque-là. Eh bien, Williams remonte au 7e rang du classement constructeur, et c'est mérité car ça ne vient pas de nulle part. Certes, il y a la vitesse de pointe, mais il y a aussi des améliorations sur cette machine qui est capable d'être très bonne à plusieurs endroits d'un circuit complet comme Silverstone. Franchement, là-dessus, je dis bravo à James Vowles qui, en très peu de temps, a réussi à remettre une petite base assez saine et à intelligemment se servir de 2-3 trucs pour améliorer la machine de manière assez presque simpliste, j'ai envie de dire, mais surtout efficace, pas cher, rapide. C'est très bien fait. Je ne sais pas si Williams aura les moyens de confirmer long terme et de vraiment faire des gros pas en avant, mais la maximisation de ce qu'ils ont, ça, c'est très bien fait.
Sinon, j'avais été un peu dur avec Logan Sargeant en Autriche, c'est ce que vous m'aviez fait remarquer, j'en ai tenu compte et j'ai remonté un petit peu sa note d'ailleurs. Là, pour le coup, je constate qu'il a vraiment été pas mauvais du tout, il a plus ou moins suivi Albon avec forcément un wagon de retard, mais c'est pas non plus illogique, du coup, bah, il n'y a pas de Q3, il n'y a pas de points, c'est encore un peu juste, on va pas se mentir, mais franchement, pour un rookie qui a 10 courses dans les pattes et qui n'est pas non plus un talent générationnel à la Piastri, c'est pas mal. Personnellement, en ce moment, il est en train de regagner un petit peu du temps, un petit peu de crédit de ma part, parce que franchement, on sent qu'il se construit, et c'est tout ce qu'on a envie de voir. Mais bon, si on parle positivement d'autant d'équipes, hein, McLaren, Williams, c'est qu'il y en a compris un petit coup sur la tête, et c'est le cas d'Alpine, qui vraiment aura beaucoup, beaucoup de mal. Le premier couac, c'est qu'ils n'ont jamais finalement vraiment réussi à rattraper le trio Aston-Mercedes-Ferrari. À un moment donné, on y a cru. Finalement, il reste toujours un petit écart. Puis ensuite, bah, ils se font souvent avoir par des coups à la Williams. Et surtout, ils se sont fait rattraper et doubler largement en plus par McLaren, qui était pourtant très 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 loin derrière en début de saison. C'est dur. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a le sentiment qu'ils se sont un petit peu perdus au niveau de leur développement. Les dernières pièces qu'ils ont apportées n'ont pas vraiment si bien marché que ça. Donc la question, c'est où aller? Quelle direction prendre? Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Je ne sais pas s'ils ont ces réponses un petit peu poussifs. C'est là qu'il va leur falloir un développeur, comme Laurent Rossi demandait à Gasly de le devenir en début de saison. En tout cas là, il y a un petit début d'incendie dans la maison française. Pierre Gasly justement, que j'ai trouvé vraiment très très bon, puisqu'il bat Ocon samedi, il passe en Q3, et il a fait un top Grand Prix dans les talons de Fernando Alonso, même à la fin, la relance exceptionnelle, magnifique dépassement sur Stroll, puis sur Sainz, malheureusement ça se termine très mal et il abandonne, et au final c'est un double abandon, même pour Alpine, c'est quand ça veut pas, puisqu'Ocon avait eu un souci hydraulique, un Ocon d'ailleurs, qui je trouve a eu un petit peu de mal à rentrer dans son week-end, il m'a un peu laissé sur ma faim. Quand on combine ça avec le total de points pris par McLaren et par les autres, ouais, la sauce, elle est dure à avaler en fin de week-end. Mais bon, d'un point de vue purement spectateur, d'avoir tout ce gros paquet, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Alpine, de temps en temps, une Williams qui vient se mêler là, c'est juste génial, c'est serré, c'est un mouchoir de poche phénoménal. Pour 3 dixièmes, vous passez de 3e à 12e, c'est une folie. Voilà, il manque plus que ça joue pour la très 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 haute position. Et on aura des Grands Prix absolument légendaires. Il faut réussir, malgré la domination Red Bull qui peut en saouler certains, il faut quand même réussir à apprécier ça, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui sont réussies dans la Formule 1 actuelle. Sinon, je serai très bref sur les trois du fond, puisqu'on a Haas qui trouve de temps en temps le sourire grâce à sa perf sur un tour et grâce à Nico Hülkenberg. Mais le dimanche, elle ne peut rien faire, encore plus quand il y a autant de soucis mécaniques, puisque le pauvre Magnussen casse le samedi, casse le dimanche. Il a vécu un cauchemar. AlphaTauri, elle, bah, c'est encore une double élimination en Q1 et ils n'ont pas existé un seul instant dans la course. Franchement, je trouve que c'est peut-être la machine qui a le plus mauvais potentiel. Ça va vraiment pas. Notons tout de même que De Vries se tient de moins en moins loin de Tsunoda. Franchement, c'est cool. Je sais pas si c'est plutôt positif pour le néerlandais ou négatif pour le japonais, mais on le constate. Et puis enfin, on a Alpha qui a encore une fois été invisible, Bottas passe en Q2, mais il est disqualifié pour, à cause d'une panne et d'un manque de litres d'essence. Le Grand Prix, il se passe tout au fond. Attention, ça a été un petit peu mieux quand même pour eux sur la fin. Il y a une P12, mais pas mal influencée par la safety car et par le train-train de la fin de course. Bref, le tout est assez déprimant pour l'équipe suisso-italienne et bientôt allemando-suisso. On comprend rien. Bon, du coup, bah, on va passer au classement, hein, parce qu'il y a 99 points d'avance pour Verstappen, bientôt 100. J'essaierai de vous faire prochainement une vidéo sur les records et sur cette domination qui est complètement folle. Alonso Hamilton, ça va être notre beau duel pour la P3, je pense, tandis que Russell a doublé Leclerc et que les McLaren remontent, puisque Norris a doublé Ocon et Piastri a doublé Gasly. Gasly qui sort de ce top 10. Côté constructeur, l'avance de Red Bull, elle est monstrueuse, il n'y a pas d'autre mot. Faudrait voir, mais ils peuvent être champions, peut-être à Monza, quelque chose comme ça. C'est n'importe quoi avant la tournée asiatique. Mercedes, elle, est repassée deuxième. Ferrari est à l'arrêt, malheureusement, alors qu'ils auraient dû faire une bonne opération et que niveau performance, depuis deux week-ends, ils sont bien mieux. McLaren, elle, a pris 30 points et donc prend la 6e place à Alpine. Il y a 12 points d'écart. Quant à Williams, elle a pris la 7e place et c'est bien mérité car je trouve cette saison qu'elle est bien meilleure dans tous les niveaux par rapport aux 3 du fond.
Allez, on passe aux notes et j'essaie de vous les faire sans cet écran noir que je mets à chaque fois. C'est peut-être un petit peu plus facile pour moi, mais c'est peut-être un petit peu plus moche pour vous, donc m'en voulez pas. Si je regarde mes notes, j'ai mis 20 aux deux pilotes McLaren qui ont été absolument parfaits, 19 à un Max qui a été fidèle à lui-même, 17 à un Leclerc très bon mais crucifié. On a également des très bonnes notes pour tout ce qui est Russell, Albon, Gasly que j'ai vraiment trouvé performant et assez irréprochable au final. Hamilton, Sainz, ça a été très correct. Alonso, c'est pas éclatant, mais franchement, il a sauvé Aston, c'est vraiment pas mal. Hülkenberg, très bon samedi, malheureusement, sa course, elle est tuée dans l'œuf. Tsunoda, Sargeant, c'est en progrès, c'est sympathique. Attention, Ocon, j'ai mis 12, on pourrait maintenant noter, mais c'est pas mal de week-end qui tourne autour, donc je vais un petit peu le sanctionner pour cette fois, pour quand même que ça se sente au niveau du classement. Le 12 pour De Vries, en revanche, lui, c'est pas trop mal, vu la voiture qu'il conduit. Bottas, voilà, il a fait un peu plus la différence dans la course. Joe, je l'ai pas vu. Stroll, c'était limite. Et Perez, voilà, il n'a pas le droit de faire ça. Il doit être deuxième ce week-end, peu importe le niveau des uns et des autres. Et Magnussen, évidemment, est non noté. Côté équipe, c'est absolument énorme ce qu'a réalisé McLaren, donc c'est largement la meilleure note. Red Bull, il y a moins de marge, donc bah voilà, ils n'ont pas 19, ils n'ont pas 20 comme d'habitude. Mercedes, elle n'était pas géniale, mais a fait un dimanche top et comptablement ils s'en sortent bien. 13 pour Aston qui a un coup de mou, 13 aussi pour Ferrari qui mérite plus en termes de notes, mais malheureusement, la performance ne fait pas tout, la stratégie a été ratée et le résultat final est dégueulasse. 12,5 pour Williams qui franchement prend un beau bol d'air et qui a un vrai potentiel, mais on va pas non plus s'emballer tant que ça. Alpine, vraiment dans le dur avec en plus un double DNF. Alpha, As, franchement c'est compliqué. Et AlphaTauri, je l'ai dit, je trouve que pour moi c'est la pire machine. Voilà, n'hésitez pas à donner vos notes en commentaire ou via le Google Doc. Je vous rappelle qu'il faut prendre ça avec un petit peu de recul, de second degré, et que ça permet juste d'avoir un autre indicateur que le classement par points qui ne dit clairement pas tout de la saison. Et sachez que je vous lis, même si je vous réponds pas et que je vous like pas, à chaque fois je vous lis et je sais ce que vous me dites, et du coup je réarrange les notes en fonction de votre avis pour qu'on ait un classement collectif et que ce soit pas juste mon classement. Je pense avoir tout dit, je vous attends en commentaire pour qu'on débatte de ce beau Grand Prix de Silverstone et de cette belle saison. Petite pause, n'oubliez pas pendant ce temps de poser votre like et de vous abonner, comme ça on est complet, on peut souffler. Sur ce, je vous laisse comme d'habitude avec Enzo qui dit que finalement cette saison, Ferrari n'a pas marqué beaucoup plus de points à Silverstone qu'en 1950. En 1950, il n'avait pas pris part à la course. À bientôt.